Non, fais ça. En ce moment, comme on est dans une situation rare et énervante, sur ma lampe lumineuse, j'ai marqué ça. Ma passion, c'est la gym, donc j'ai tout plein de médailles. Et là, il y a ma coupe. Et là, ça, c'est ma dernière médaille que j'ai eue cette année avant le confinement. Qu'est-ce que tu fais, Faustine? J'ai fait des lasagnes pour ce soir et une tarte au citron. Stop, non, 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 là tu restes droite, tu poses le genou, non, non, tu... Céleste, tu, si t'écoutes pas, ça va m'énerver, tu vas partir dans ta chambre. Tu poses là. Non, mais va pas... Ça va m'énerver. Non, faut que tu poses le genou par terre. Essaye. Mais j'y arrive. Mais essaye, comme ça Elinor elle pourra te dire ce qu'il faut faire pour que ça t'y arrive. Vas-y, essaye. Tché tché. Ok. La compagnie aérienne autorise une masse maximum de 23 kg par bagage. Lucie peut-elle ajouter sa valise dans sa valise ses deux paires de baskets qui pèsent 800? T'es qui? Céleste. Oui, mais t'es princesse quoi? T'es princesse quoi? Princesse sérieuse. Tu me regardes, Céleste? Céleste, tu me regardes? Là, il est 19h55 et j'ai faim. Mais j'attends que je prépare le manger. Mais d'habitude, quand c'est pas le confinement, là on a déjà mangé. Du coup, j'ai trop faim. Déjà, on en a donné en fait d'abord. Ils en ont donné au. Ouais, comme chez Fred dans sa boîte. Ouais. Ouais, là, donc là, je vais aller faire à manger. Et je vais faire une salade composée. Donc dedans, je vais mettre des œufs durs. Donc c'est assez loin à préparer. Donc je vais mettre des œufs durs. Du riz, de la tomate, peut-être un peu d'ananas, c'est hyper bon. Et voilà, je pense que c'est tout, peut-être avec un peu de sauce, et voilà. Donc c'est parti. Ah, vraiment, vous me saoulez. Vous êtes des connards et des connards. Vous êtes des putains de merde. Alors là, j'essaye de regarder la vidéo d'histoire, mais ça marche pas et ça m'énerve. Surtout que je déteste l'histoire. L'histoire, c'est ma pire matière avec l'anglais. Je viens de faire une petite pause. Du coup, je vais vous montrer un peu la maison. Ça va, oui. Là, il y a maman qui vient de faire un appel FaceTime, Skype. Trop de soleil. Là, il y a papa qui est pareil, il fait le télétravail dans la chambre et il fait des appels du travail. Maman, est-ce que je peux retrouver les œufs de Pâques? Là, il y a ma soeur. Maman, je peux retrouver les œufs de Pâques? Et dans sa chambre. Et là, il y a ma sœur qui fait ses devoirs. Un bon chemin le plus efficace. Donc, nous avons fait ce qu'il fallait en termes d'autorité. Le A à côté du U. Oui. À moi. Le L. À ce du L. On baisse. On remonte. On remonte. On remonte.
prof de film qui nous envoie une vidéo de choses à faire pour rester en forme. On plie, on redresse. Pour travailler l'équilibre et la proprioception, ça vous en faites 10 de chaque. 6. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, c'est de faire des masques avec maman. On a tous sorti les trucs de couture. Moi, j'ai choisi ce tissu. Je vais le prendre de ce côté. Vous faites quoi? Des gnocchis. Ça a l'air trop bon. C'est pour mon papier. Miam miam. Et il y aura quoi avec les gnocchis? De la viande, du steak haché. Il y a Macron qui parle, donc je vais pas parler devant eux parce que sinon mon père il va crier parce qu'il faut qu'il écoute absolument, sinon il va crier. Du coup, je vais vous montrer, ils sont tous devant le disque, moi ça m'ennuie. Du coup, je vais faire de la gym dans ma chambre pendant ce temps-là parce que ça m'ennuie trop. Très souvent, il semblait impossible depuis des années. Nous avons innové, osé, au plus près du terrain, beaucoup de solutions ont été faites. Il y a ma soeur qui avait une colère, du coup, elle est en train de manger dans sa chambre avec de la musique. Toi, tu sais pas trop combien tu vas travailler. Je vais voir. Ah bah moi, vous avez les réglementations, une personne n'en peut pas marcher, hein, par une. Je me suis tordu l'orteil et ça me fait trop mal, regardez. Céleste, ça se passe comment pour toi le confinement? Pas très bien. Pourquoi? Parce que personne n'est avec moi, parce que personne ne peut faire des choses avec moi le matin quand on fait l'école. Personne ne peut m'aider des choses si j'ai besoin qu'on me lève des choses. Ou des fois l'après-midi, eh ben, je suis toute seule, du coup je sais pas quoi faire. J'ai la chance d'avoir celle qui me masse les jambes. Là je la rince. Parce que bien sûr elle a mis du sable. Ah. J'ai fait un cookie pizza au M&M's parce qu'on va faire un apéro goûter à 17h. Avec mes copines de gym et mon entraîneur. J'ai trop hâte. Dans une demi-heure. Il y a ma soeur qui est en train de faire du piano, mais elle s'énerve. Oh, c'est un truc vraiment bizarre. Moi aussi, je vais faire mon piano, Boufoune. N'importe quoi. Je pars. T'es sérieuse là? Si j'ai mes gâches. Et pourquoi tu prends autant de sacs? Là, il y a des couvertures. Tu vas pas partir si j'ai mes gâches? Bah, si quelqu'un prend un enfant tout seul, il va appeler la police. Comment tu sais? Ah, parce que c'est ce que je ferais moi si je prends un enfant tout seul. Et qu'est-ce qu'il va faire, la police? Bah, soit tu veux dire qu'ils ont des parents qui vont te ramener chez eux.
Soit ils doivent venir sous tête, ils vont t'emmener au poste, ils vont chercher comment on est. Ils vont t'emmener dans un centre d'accueil pour enfants. À toi, je pose la scène. Il y a quoi dans tes sacs? Qu'est-ce qu'ils sont? Mais il y a quoi? Couverture, brosse. Mais toi, que tu vas de. Gloss. Le gloss? Ah, t'as pris du gloss? Oh. T'as pris des vêtements au moins? On est le 3. Je crois qu'on est le 3. Et du coup, c'est la dernière journée, ce soir c'est les vacances confinées. Et toi aussi, t'as fait 3 fois par semaine de la gym? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Céleste? On s'est répété pour attraper le réveil de Faustine au Lachal. Du coup, j'ai saigné et du coup, on a mis un pansement. Mais tu t'es cognée, t'es tombée? Ah, je m'ai cognée. Où? Au bord du Lachal. Comme pour la fête de la musique avec mes copines de gym qui font de la musique, on a décidé d'aller jouer. On fait des répétitions en visio. 3, 4. Là, regarde ce qu'on va faire. Oh, j'avais une tonne. Attention, écartez-nous. Oui, j'espère que tu vas bien. J'ai eu Frédéric et Philippe et pour la chaudière 9 à 25, le ministre de la chaudière nous a enlevé le droit de la remettre sur notre site NGM Service. La grosse question, c'est que on ne sait pas. Chut, Thierry, je suis en conférence. C'est qu'on ne sait pas si on peut mettre 3000 personnes au chômage. On se demande. Enfin, c'est un gros sujet. Voilà. C'est quoi ton programme pendant les vacances? J'ai pas de programme. Et t'as envie de faire quoi? Manger à la police. Faire de la cuisine. Ouais, quoi d'autre? Ferme la bouche. Faire de la pâte à sel. Ouais, faire de la peinture qui gonfle. Ouais. Et c'est tout. On était à la Montmartre, les parents ils ont caché les œufs et voilà. Et d'habitude, on va chez nos papy-mamie ou chez mamie pour les chercher dans le jardin, mais là non. Ça c'est mes chocolats, vous les prenez pas mes chocolats. Il est 9h20 et d'habitude à cette heure-là j'attends avec impatience la récré, alors que là ça fait que 20 minutes que je travaille, donc j'en ai déjà marre. Tu fais quoi, Céleste? Un gâteau, un yaourt et peut-être je vais mettre des pépites de chocolat. Ce soir on est le 10 mai et du coup c'est le dernier repas avant le déconfinement, enfin genre ça sera pas vraiment le déconfinement mais genre où il y aura plus besoin d'attestation et tout, et du coup voilà. Ça y est, on est enfin le 11 mai et du coup on est en déconfinement. Déconfinement! T'es contente? Oui! C'est quoi que t'as envie de faire pour faire le déconfinement? Mon anniversaire! C'est déjà trop nul le confinement. Sauf qu'on ne travaillait pas, c'était un peu comme 2 mois de vacances.